Cette maman jette son bébé par la fenêtre et laisse tout le monde sans voix. Les mères peuvent tout faire pour sauver la vie de leur enfant. De nombreux animaux agissent de la même manière, c'est ce qui est nommé l'instinct maternel. D'ailleurs, l'histoire de cette jeune maman atteste de la puissance de cet instinct chez la femme. Des chercheurs de Tokyo ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique, IRM, pour étudier les structures cérébrales de 13 mères, dont chacune avait un bébé d'environ 16 mois. D'abord, les scientifiques ont filmé les bébés qui souriaient à leur mère. Ensuite, les femmes ont quitté la pièce, et les bébés ont été filmés en train de pleurer et de demander à leur mère de revenir. Tous les bébés étaient vêtus du même haut bleu pour le tournage. Les scans ont été pris pendant que chaque mère regardait des vidéos des bébés, y compris le sien, avec le son éteint. Quand une femme voyait des images de son propre enfant souriant ou contrarié, ses schémas cérébraux étaient nettement différents que quand elle regardait les autres enfants. Il y avait un changement particulièrement prononcé dans l'activité cérébrale quand une mère voyait des images de son propre enfant en détresse. Les scans suggèrent que des circuits particuliers dans le cerveau sont activés quand une mère distingue les sourires et les pleurs de son propre bébé de ceux des autres nourrissons. Le fait qu'une femme réagisse plus fortement aux pleurs d'un enfant qu'à son sourire semble biologiquement significatif en termes d'adaptation à des demandes spécifiques associées à des soins infantiles, notent les auteurs de l'étude. En guise de témoignage, l'histoire que nous vous présentons montre encore une fois jusqu'où l'instinct maternel est capable d'aller, et ce qu'une mère peut faire pour sa progéniture. Le courage d'une jeune mère. Dans la petite communauté du Wyoming, dans l'état de l'Illinois aux États-Unis, tout le monde se connaît. Et chaque fois que des nouvelles tombent, tout le monde en entend parler. D'ailleurs, l'histoire de Shelby Ann Carter et de sa fille Kana Davy née en janvier 2017, a fait beaucoup d'écho au Wyoming. Shelby travaillait comme esthéticienne et elle avait commencé à poursuivre des études en pharmacie. La naissance de Kana Davy a apporté beaucoup de joie à la famille. Mais malheureusement, tout cela allait changer. Un jour après les 21 ans de Shelby, l'inimaginable est arrivé. Shelby passait du temps à la maison avec sa petite fille quand soudainement, la maison a pris feu et elle a dû appeler le 911. Elle leur a dit qu'elle avait du mal à respirer, mais elle a omis les détails concernant son enfant. Arrivée à la maison, les pompiers ne pouvaient que se demander pourquoi elle n'avait pas mentionné l'enfant. Peut-être qu'elle savait qu'au moment où ils arriveraient, il serait déjà trop tard. Ils ont trouvé Shelby au deuxième étage de sa maison morte asphyxiée à cause du monoxyde de carbone.